dans le cadre du rôle ministère pour le jouer au rôle régulateur. Et il y a une obligation pour lui garder tout ce système. C'est ça qui fait il y a une activité de recensement spéciale qui a porté sur l'enseignement supérieur pour que nous connaissions en termes de chiffres ça représente et qui qualité de formation qu'a bail là-dedans. Moi-même, je ne vais pas entrer dans le détail. Le détail, c'est absolument. Et Madame Florence Pierre, lui, qui est responsable de la direction enseignement supérieur et recherche scientifique, qui a rentré là-dedans. Donc, activité ça, c'est une activité qui peut permettre nous gagner une vue globale sur l'enseignement supérieur, nous gagner de données qui sont fiables, qui ka permettre nous prendre des décisions éclairées, et j'aimerais dire là, à la lumière de informations que nous allons collecter dans le cadre de recensement. Le ministère là lui-même, le rôle c'est pas dit comme si fait gros pression, etc. Bagaille comme ça, mais c'est exiger que normes que nous-mêmes nous retenons dans le ministère là, nous écrions, nous baillons, nous divulguons. Donc que nous respectons le règlement qui que le ministère là mettait en cours. Par conséquent, nous prenons mener enquête là d'ailleurs, nous déjà fait mettre sous pied toute une série de bagages, nous faisons une formation toute une journée hier pour enquêter et superviseur, donc tout déjà recruté. Alors évidemment, comme il y a plus dans l'ouest là, donc nous prenons que il y a beaucoup plus d'enquêteurs dans l'ouest. Et puis, nous bien formés, yo. Nous prenons gagner des spots qui prennent paraître, etc., pour informer tout le monde, mais notamment de nous, effectivement, pour que nous aider nous en pile, pour que nous nous motivions davantage, pour bien comprendre que ça, le ministère pour le faire, c'est un bagage positif pour tout le monde, y compris pour l'université, même s'il a fonctionné dans deux bagages qui sont illégaux. Mais le ministère l'a venu, l'évaluer, regarder ce qu'il fait, il voit ça bon, il voit ça pas bon. Ça, c'est une évaluation externe qui peut aller dans l'évaluation interne que vous devez faire vous-même. Et ça qui peut venir, c'est la plus bonne pour vous. Parce que ou même ou pour l'améliorer et enseignement là, par conséquent ce sont les étudiants qui sortent dans institution yo qui pral faire rayonnement institution là de toute façon retomber après pour vous tout. Donc en ce sens nous même nous avons déployé enquêteur yo nous tient à ce que yo recevoir yo correctement. Parce que ce sont des gens qui vont recueillir des informations. Ils n'ont pas rien à faire, ils n'ont pas rien à faire, tout ça qu'a fait, c'est le ministère là qui a fait. Juste qu'on est, qui côtoyer, qui soit fait, qui nombre d'étudiants, qui soit pensé de l'enseignement supérieur, là, bagaille, etc. Donc nous vraiment, tu as remis collaboration tout le monde pour que l'enquête là très réussie. Nous avons environ 76 enquêteurs qui pour le déployer sur territoire là, plus nous gagnons 9 superviseurs et gagne de côté cap gagne moins tant qu'on y Nord-Est, etc. Pas gagne en pile université, mais gagne de côté il y a beaucoup plus intensément et réparti. Donc nous t'aimons que yo bien protégé, bien encadré, bien pour qu'a fait travail là pour nous. Depuis 3 ans, l'UNESCO appuie techniquement et financièrement la direction de la planification et de la coopération externe et le système d'information du ministère de l'Éducation en général. Dès 2010, l'UNESCO a accompagné le ministère à mettre tous ses partenaires intéressés autour de la table afin d'appuyer la mise en œuvre d'une feuille de route commune de la direction de la planification qui aurait pour objectif de produire chaque année des données fiables en internalisant au sein du ministère de l'Éducation et donc en pérennisant la remontée des données des écoles via
vers la direction de la planification via les directions départementales de l'éducation. Et c'est un réel changement de mentalité qui s'instaure à tout niveau de la collecte aujourd'hui. Un comité de pilotage présidé par l'unité d'études et de programmation du ministère de l'Éducation, constitué par différents services du ministère de l'Éducation et de ses partenaires techniques et financiers, s'est réuni régulièrement et de manière exemplaire, et je voulais le souligner, pendant ces 3 ans, pour aider la direction de la planification à mettre en œuvre cette feuille de route et ainsi fédérer tous les appuis dans un même objectif. Des progrès énormes ont été accomplis grâce à la bonne dynamique de tous, notamment de la direction de la planification du ministère, même si le processus et la fiabilité des données doivent encore être améliorés. Cette feuille de route ciblait, comme l'a dit le directeur général, dans un premier temps, les niveaux préscolaires, fondamentaux et secondaires. Et aujourd'hui, l'UNESCO est fière de contribuer à élargir la collecte de données du ministère à l'enseignement supérieur qui permettra à ce sous-secteur d'être mieux connu, mieux organisé et mieux régulé.